ce soir. Planète Rap, AM La Scampia. Passez une bonne soirée, bienvenue. On est sur Skyrock tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une belle semaine en perspective. Avec évidemment un accent qui sent bon déjà les vacances. Le sud, évidemment. Monsieur AM La Scampia, comment ça va? Ça va, merci de m'accueillir. Je suis ravi de t'accueillir parce que d'habitude tu passes, mais j'ai envie de dire en coup de vent. Ouais, en coup de vent. Ouais. En coup de vent, mais là c'est ta semaine. Ouais, c'est ma semaine, ma première. À toi. C'est ta content. Première semaine dans Planète Rap. Un aboutissement, c'est bien. Je suis ravi parce qu'il y a un album qui est sorti vendredi, c'est un bel album. Triste fête, toi. Il m'a régalé beaucoup. Tout le week-end. Ça va? J'avais un peu peur au début, triste fête, je me dis merde. Il y a des morceaux que tu as kiffé et tout. Il y a plein de morceaux qui sont vachement bien. Il y a Salmoud qui est vachement bien. Il y a le morceau où tu parles de toi, gamin en or aussi. Ça. Voilà, il y a plein de beaux morceaux sur ce projet. Il y a le morceau aussi avec des invités qui sont là, mais je voulais pas les dévoiler tout de suite parce qu'on va les présenter dans un instant. Je voulais juste rappeler donc que le projet est sorti vendredi en streaming dans les bacs. Ouais. Il y a aussi alors une magnifique boîte collector. La boîte à pasta. La boîte à pasta. 1092. Ça va, elle est bien. Elle est jolie. On a bossé dessus. Triste fête. Ça, on peut la trouver, je crois, qu'à la Fnac. Hein, ou... Ça, on peut la trouver à la Fnac et sur la scamp.store. Ah, bah voilà. Donc, voilà. C'est important et uniquement. Il en reste très peu. C'est des éditions limitées. Eh bien, allez-y. N'hésitez pas à aller la commander, cette magnifique boîte. Il y a quoi dedans? Il y a t-shirt. Parce que j'ai pas osé l'ouvrir. Ouais, j'ai pas osé l'ouvrir. 1092 du label. Il y a le CD, il y a un petit sticker ça à garder, la boîte de pâte on peut la garder, après on met ce qu'on veut dedans. 1092 c'est pour le label et c'est aussi la distance qui relie Marseille. Je sais pas, en Marseille et Naples. Ah, alors, ça. J'ai vu, pas tout à fait juste, hein, il y a du 1089, ça dépend d'où tu pars. Moi je parle de Marignane. Ah c'est ça, d'accord. Donc, Marignane, là on est sur Marignane. 1092 pile. Ouais. Et c'est aussi le nom de ton label. Exactement. Est-ce que tu nous présentes les invités qui sont là ce soir? Bien sûr. Alors bien sûr. On y va. On avait le frère Gentimal. Ouais. Et je n'ai pas cité son morceau, mais c'est un très beau morceau. Qui s'appelle Jolie Poupée aussi. Jolie Poupée, ouais. Que tu as disponible. Il a fait l'honneur de poser dessus, il m'a respecté de ouf. Et très bon morceau. Ouais. Ah bah, Timal est très en forme. T'as entendu la 15 qui nous a balancé là il y a quelques jours. Ouais, tu le sais, lui, toujours passe une vitesse. Ah, il est chaud. C'est un standard. Ouais. On attend la 16 maintenant. Ça m'a fait plaisir de ouf, ça m'a fait plaisir. Merci mon frère. Ah, merci à toi aussi, mon frère. Tout va bien? Ouais, ça va, tranquille. Et bien, bienvenue à toi. Merci bien. On continue le tour de table face à toi, Ilia. Bien sûr. Il y a Alpha, ALP. Il m'appelle Pedro Ramos. Il vient direct du 9-4. Oui, il est là avec nous aussi. Il est avec moi dans mon label Plata au Plomo. Exactement. Voilà. On est partage la place. Voilà, t'es un cher, mon frère. Tout va bien, tu as le temps d'écouter Triste Fête? Eh ouais, moi je le dis direct, week-end. Moi c'est mon. Ah, toi c'est week-end? Direct, voilà, je l'ai envoyé direct, voilà, il est super chouette. Je m'envoie le cash. J'étais surpris. Directement. J'étais surpris. Voilà, directement, tu connais. Weekend qui vient, ouais, juste après. Je dis ça parce que j'adore évidemment ce feat avec Laura Luciano, Cité Carter aussi. Ouais. Voilà, quel grande. Et le mieux d'ailleurs, puisqu'on parle de l'album, c'est de rentrer directement dedans pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, pour ceux qui ne l'ont pas streamé, c'est une erreur. Hein. Allez-y, juste après l'émission. Voilà, ou alors précommander la box aussi, la magnifique box AM La Scampia, un peu partout sur le site de la Fnac. Et rappelle sur ton. Lascamp.store. Lascamp.store. On l'a créé spécial pour ça. Exprès pour ça. Voilà. Et bien écoutez ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Planète Rap. Que des problèmes, maman. Eh, maman. Que des problèmes, maman. Eh, maman. Encore un verre d'alcool et je peux vite chauffer. Poto, je suis pas d'accord. Nous fais pas. Planète Rap. Planète Rap. En attendant la noche, toute la noche. Comme une étoile, je brille toute la noche, toute la noche. Je garde mon truc près de moi, juste à côté. Jamais je laisse tomber. Planète Rap. Avec la mort, je pense à la machine. J'aime l'adrénaline, c'est trop. Virage serré, je m'imagine. Champion comme Barantino. Je sens la nuit, je flirte avec les riches. Planète Rap. Oh,
ami Manolo. Pour son corps de folie, tu pouvais sortir les métaux. Oui, les métaux, hey, mon Manolo. Elle t'a fait des histoires, t'as même dû grosser son pélo. Oui, son pélo. Planet Rap. T'es ma jolie poupée. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement, tu es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV. Ah, ma jolie poupée. Planète rap. Et je suis blonde sur blonde, on m'avait dit qu'il était faussement blonde sur blonde. Je me dis putain qu'il est faussement blonde sur blonde, on m'avait dit qu'il était faussement blonde. Putain qu'il est faussement blonde sur blonde, on m'avait dit qu'il était faussement blonde sur blonde. Je me dis putain. Planète rap. Et là c'est des cartes. Christophe ou Edouard. C'est là c'est des cartes. Christophe ou Edouard. Planète rap. Planète rap. Qu'il faut le faire. J'suis perdu, j'suis pas le seul. Un souci, j'sais pas lequel. Moi j'veux juste un flash. Planète rap. Fume la peste. Dans l'âme. J'oublie ce que j'ai dans la tête. Elle me donne son nom, j'y donne mon temps. Un beau boulot, hein, yes, les gars, aye, franchement. À fond, à fond. Ah, même toujours, frère, hein, depuis. Hein. Voilà, depuis très, très longtemps. Ah, il m'a vu me casser la tête. Hein, c'est vrai. Minutieux. Même lui, lui, c'est un découpeur aussi. Mais justement, pourquoi? Parce que quand on écoute, là, même pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'album, c'est des morceaux plutôt au tempo, j'ai envie de dire, mais en tout cas pas dans une tristesse absolue, même dans les textes. Ouais. Pourquoi le titre Triste Fête? C'est surtout ça que je me suis après, posé. Après, les paroles, elles sont crues. Tu vois, les paroles sont très crues. Je vais te raconter des anecdotes de vie qui vont toucher peut-être tout le monde, tu vois, que à des degrés différents. Et après, il y a des anecdotes personnelles aussi. Tu vois, il y a des morceaux, oui, j'ai cité Gamin en or, mais il y en a d'autres aussi. Ouais, qui sont introspectifs. Gamin en or, c'est un morceau, par exemple, où je parle de moi, en m'auto-censurant un peu, avec un peu de pudeur, mais j'ai réussi à me livrer sur ce morceau, par exemple. D'où le titre Triste, tu t'es dit à un moment. Triste fête, c'est paradoxal. Après, les prods sont ambiancés de ouf. Et après, c'est l'image d'un mariage, tu vois. Moi, c'était une anecdote chez nous qu'on a eue. L'image d'un mariage où il y a un coup de feu qui part. Et tout le monde était réuni, tout le monde était bien, et il y a tout qui s'est arrêté. Donc la fête est d'un seul coup, ouais, ça devient même tragique. D'un coup. Mais le lendemain, quoi, on rigolait. On en parlait avec le sourire, ça veut dire, il y a tout qui repart. Tu vois, n'importe quelle connerie qui peut arriver la veille, il faut repartir avec le sourire, c'est triste fête, c'est rien. Ce soir, on va retracer ton parcours, justement. Depuis ta naissance à Marseille. Ouais. J'ai récupéré les dossiers. Ouais. Bien le Seigneur. Ils sont recto verso, donc il y a du dos. Ouais, vas-y. Je vous passerai aussi 5 morceaux, enfin ce sera plutôt à toi, on passera 5 extraits, 5 morceaux tout à l'heure sur Skyrock. Tu nous rappelleras à quelle période ça correspond et surtout à quoi ça a correspondu pour toi dans ta vie, ces différents morceaux. Okay. Ce sera dans un instant sur Skyrock et là on va balancer un titre extrait de ce projet qui est disponible. C'est AM La Scampia, Triste Fête et le morceau avec la crime. Avec la crime, bah, bien sûr. On parlera aussi de la crime évidemment ce soir et dans les autres soirs de la semaine. Voici mon refton. Alors frérot, ça va depuis j'ai entendu que les surveillants étant pété le paille. Je fais rentrer un choc, prends la mine et je connais où ouais, on prend trop y craille. Oh, le pifton, c'est bien bon, mais regarde où tout ça nous mène. Ouais, j'ai pris soin de ton fiston, il m'a posé des questions toute cette semaine. Oh, yale. J'ai entendu que la boucle avait des retours, on l'a localisé dans le secteur. Oh, yale. J'ai récupéré des positions qu'il a bavées au bureau de l'inspecteur. Ils sont morts dans l'œuf, t'as assez donné, ouais, t'as fait tes preuves. On fout trop de problèmes avec les cœurs. Fais-moi confiance, je suis ton tireur. J'aimerais que tu brouillonnes, que tu aimerais la fin, tout ça derrière les barreaux. Aujourd'hui, tu en toile, j'ai la famille en poche, t'en donne ma parole. Bon, en même temps, tu seul mot à dire, ouais, gâche, il paye. Frérot, j'ai bien reçu le mandat. Faut pas que tu t'es
moi elle est déjà trop l'atma. J'accumule les peines et je sens la tapa. Nous restons, on n'a plus de papa. Je suis pas là, c'est toi qui tiens toute la mifa. J'ai fait que tu bouillonnes, que tu veux rien faire, tu sais derrière les barreaux. Aujourd'hui tu es en toile, j'ai la famille en poche, t'entends ma parole. Bon, attends, que ce mot à dire, ouais, gâché, pain. Abandonné, non, 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 non. À la vie, à la moitié, ouais, tu te rappelles. À l'instant avec la crime, bien sûr, c'est un peu ça aussi avec la crime, hein. Parce que moi, c'est vrai que je crois qu'une des premières fois que je te vois, c'est avec la crime, ou c'est en ça, tout cas, voilà, avec la crime, ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est la crime qui m'a découvert, c'est la crime, hein, ouais, c'est ça, bien sûr. Il m'a découvert sur YouTube avec le morceau Histoire 2 qui est dans son album. Mm-hmm. C'est un morceau que j'avais balancé sur YouTube en audio, et à l'époque, tu faisais 50 000 vues sans abonnés, sans rien, ça tuait. Mm-hmm. Tu vois, le morceau, il avait fait un peu de bruit quand il est sorti. Il m'a appelé, tac, je suis monté, j'ai signé mon contrat chez Plata, j'ai fermé mon snack derrière. Et voilà. Tu avais un snack. Ouais. Mais ça, on va y revenir. On va en parler dans un instant sur Skyrock, le Planète Rap entre 20 et 21. On va revenir sur tout le parcours. Est-ce que vous pensez tout connaître de AM La Scampia, les gars? Tout, je sais pas, mais il y a des petits fragments, il y a des petits trucs. On a posé les pierres un peu. Il y a un truc, c'est pas ce qui lui est arrivé au lycée, ça, j'en suis sûr. Tu vas nous dire. Eh oui, madame, pas tout de suite. Je vais bien évidemment vous raconter tout ce parcours. C'est bizarre quand même, vous avez... C'est quoi? C'est les dossiers. Ça tue. J'ai un truc qui est arrivé dans la cour du lycée. Ouais. Tu reviens, ça tue. Ouais, la cache, ouais. Voilà. Ce sera dans un instant. Bon, alors on est né à Marseille, hein, M. La Scampia, évidemment, grandi à Gignac. Ouais, c'est bien ça. C'est à 10 minutes des quartiers nord. Ouais, c'est ça qui est juste collé. Sorti de l'autoroute Gignac-Marignane. Alors, il y avait un truc, c'est chez toi, c'est que gamin, t'étais un vagabond. Mmh. Ouais, non, mais tu quittais souvent la maison. Tu quittais souvent la maison, t'avais besoin de sortir, de bouger, de disparaître. Tu as vu, genre, comme un chien, quand tu lui ouvres la porte, il cavale de partout, il va à droite à gauche. J'avais la daronne, elle me serrait un peu quand j'étais. Et ça, très tôt, ça a commencé? Eh ouais, la daronne, elle me serrait un peu, et après, du coup, tu as compris, plus tu serres, plus tu as envie de. Mais t'allais où? Je sais pas, je sortais, moi je traînais beaucoup avec mes grands cousins et tout, j'aimais bien rester avec eux. Tu vois, ils restaient un peu au quartier, ça restait dans la colline, ça faisait du cross un peu, moi je restais, je regardais et tout, je me régalais. Mais quel âge ça? Je sais pas, 7 ans, 8 ans. Ah oui, déjà. Mais tu devais faire flipper parce que la daronne, elle devait se dire, attends, oh. Eh ouais, les collègues, ils connaissent ça jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils me cherchaient dehors toute la nuit. Tu la pauvre. Ah, en folie, elle était mesquine. Voilà. C'est mais ça va, j'étais sérieux à l'école et tout. Tu vois, ah bah non, alors attends, on va y venir tout de suite. En cours, comment ça se passait? Il brillait par son absence. Mais j'avais les notes. J'obtenais tout normal. Les notes sur ton histoire qui étaient tes matières préférées, hein, on est d'accord? Ouais, une histoire c'était facile, ouais, j'aimais bien. Mais sinon, moi j'ai beaucoup d'absence, quoi. Ouais, c'est vrai, énormément. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai eu le BEP, tu es fou. Tout c'était étonné. Hop, y a tous les profs étaient étonnés quand j'ai eu le BEP. Donc, t'as été BEP jusqu'où? J'ai eu BEP 20. Mm-hmm. BEP 20, je voulais pas faire ça, mais au final, je me suis retrouvé dans ça. Et après, j'ai fait un bac commerce et j'ai arrêté 6 mois avant, je suis parti. Mais avant le BEP, il y a donc le lycée. Ouais. Qu'est-ce qui te raconte ce qui s'est passé? Ouais. Tu veux que je raconte? Ouais, heureusement, personne ne t'a vu. Mais maintenant, toute la France va le savoir. T'es fou, j'aurais pu toucher un gros chèque des assurances. J'ai fait une arvalo ce jour-là. Sur ma mère. Au lycée, monsieur est tombé dans une plaque d'égout. Ouais, en plein milieu du lycée. Ah, mais il y a des gars qui m'ont capté. Et personne. Vite. C'est comme si j'étais là et d'un coup je suis plus dans le monde. Mais normalement, la plaque d'égout. En fait, je faisais des travaux et ils avaient mis des plots. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a enlevé les plots. Moi, je marchais avec un collègue et je sais pas, il m'a dit une connerie. Je sais plus, j'ai regardé au ciel pour rigoler. Je suis tombé d'un coup, j'étais en bas. Mais grosse chute. Ouais, j'ai fait une grosse chute, j'ai vu, il y avait des petits escaliers, j'avais un gros hématome, c'était ma gadget à l'ancienne, elle avait pas de permis, rien, elle avait 17 ans, elle a pris la voiture à sa mère, elle m'a amené à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu au lycée? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Rien, tu fous, j'avais honte, moi je suis parti à fond, je me suis relevé, j'ai tracé d'un coup, j'ai au moins 20 ans. Et déjà t'as réussi à remonter? Ouais, je suis remonté cash, je regardais autour de moi, t'es quand même capté, j'ai tracé. Mais quand même à l'osso. Ouais, je suis parti, non mais ça va, c'était rien, c'était un item, tu as vu, une grosse bosse qui est sortie. Eh ben putain. C'était tranquille. D'autres cascades à signaler, d'autres trucs à signaler? Ouais. Non? Ouais, j'en ai quelques-unes, hein. J'en ai quelques-unes. T'es pas,
quelques-unes. T'es pas obligé. Je perds pas trop la route quand je traverse. Les déclarer. On va parler musique aussi, parce que la musique a évidemment été importante pour toi. Les souvenirs que t'as, toi, de ce qu'on écoute à la maison, les. Moi, à la maison, tu avais le dimanche matin, c'était le daron. Moi, j'ai le souvenir qu'il faisait de la derbouka. Donc, forcément, beaucoup de musicalité. La daronne, tu as capté, ça dansait. Nous, c'est des aides. J'ai moi, sa famille, des aides de fou. Mon frère faisait de la musique. Il mélangeait les univers déjà, lui. Il mélangeait le rap et la pop, il mélangeait un peu tout, il s'amusait. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir la musique. On allait à la bibliothèque ensemble, il louait les CD, prenait l'école du micro d'argent. On a pris Si Dieu veut de FF, incroyable. Ouais. Après moi j'ai découvert Psychiatre, gros choc. Après les plus grands, ils m'ont inculqué à quoi? Les plus grands du quartier m'ont inculqué à Chris de Burgh, qui est de la pop britannique, Lucio Battisti de la pop italienne, REM. Plus du rock, ouais. C'est César Evora. Après, Losing My Religion, pour moi, c'est de la. Tu vois, quand je prends ce morceau, pour moi, c'est de la pop. C'est de la pop super ouvert. Tout, hein, César Evora et tout qui s'est mélangé. Tu te souviens d'un artiste en particulier qui t'a vraiment mis une grosse claque, quoi? Tu parlais des psychiatres, là. Psychiatres, vraiment. Psychiatres, moi, quand je découvre Psychiatres, c'est dans la cave à mon cousin. On avait une play à l'époque, tu as vu, tu pouvais mettre une allumette, tu laissais le jeu, tu mettais une allumette et tu pouvais mettre un CD, tu vois, c'était tu pouvais tricher. Le tu jeu mettais de l'allumette. CD, tu jouais, en fait, tu avais la musique du CD après, tu as vu, que j'avais passé. Et moi, je passe et d'un coup, j'entends Bloc Party. Gros choc, c'est qui? Je crois Sopra, je crois 2-3 semaines, je le vois sur la photo de la cover, je crois Sopra à Continent, j'étais petit. À Continent, à Footlocker, tu fous, je le vois, je reste kécho, je me souviens, j'ai cette image, tu vois, encore en tête. Et Psychiatre, j'ai pensé de fou. Et c'est fou, oui. Enfant de la Lune, j'ai fait leur concert. Et ils le savent, ils me connaissent. Depuis petit, ils me connaissent. Et c'est vrai que cet album Bloc Party, il a marqué quand même beaucoup de monde, Bloc Party. Je sais pas si c'est le cas aussi pour vous, Timal et Alipa aussi, oui. Mais c'est vraiment un album qui a marqué beaucoup. Ouais, de fou, c'était crapuleux. C'était à 2 mm de la réalité, comme dit Alonso. Il y avait un. C'est ça. Il a bien raison, cet Alonso. T'as vu qu'il est toujours en forme, hein, qui est revenu avec Quartier Nord. Incroyable ouais, l'album. Ouais, incroyable. Qui fait un carton. Félicitations à lui. On va continuer ce parcours sur Skyrock entre 20h et 21h avec toi, AM, La Scampia, mais on va aussi écouter des extraits du projet qui est sorti vendredi. C'est ça, vendredi. Et le titre, il est disponible. C'est Valentino tout de suite. C'est parti. La famille, c'est la famille. On va pas refaire des nouvelles ententes. On a tous une story qui s'est passée au bar ou devant le bloc 30. Je me suis pas posé de questions, j'ai porté mes couilles et j'ai posé. Le quartier a fait le job et puis je me suis vu à la télé. T'imagines mon frère, une enquête nous empêche de se faire la puce. Hey, je suis fidèle à la mort, je suis là dans le plein quand tu piques des crises. Hey, c'est avec une confrère, je reviendrai deux fois comme train. Je suis pas dans les fils d'Insta, envoie le petit livret en spin. Sa bibi au popo en Vespa. Ciao, thank you so much. Et c'est pas fini, reste là. Je la redéshabille après le brunch. Flirte avec la mort, je penche la machine. J'aime l'adrénaline, c'est trop. Virage serré, je m'imagine. Champion comme Baratino. Je sors la nuit, je flirte. Avec les risques, je flirte. Des fois tu ris, tu pleures. Champion comme Baratino. Folie, je sers. Toutes ces questions, ça m'épuise. Folle position comme Marquez. Chaque virage, ils veulent que je glisse. Alors l'ancien, depuis combien de sacrifices? C'est pour le prix d'une Montclair. J'prends 4 photos pour les cleans. Hey, j'ai la bombe dans l'USB. J'me regarde à fumer FP. Néanmoins tu suspect. Et souvent quand tu restes fait, c'est là qu'ils veulent manquer de respect. Par terre laisse-les. J'ai la coupe à DiCaprio. On parle plus pour la Gaggio. Oh la la la, pédo de la machina. Je sors la nuit, je flirte. Je prends des risques, je flirte. Avec l'ennui, je flirte. Je veux me sauver. Maman, tu pilles des sœurs. Je pars en vrille, j'ai le cœur cassé en mille, je flirte. Désolé. Je flirte avec la mort, je penche à la machine. J'aime l'adrénaline, c'est trop. Virage serré, je m'imagine. Champion comme Baratino. Je sors la nuit, je flirte. Avec les risques, je flirte. Des fois, tu ris, tu pleures. Champion comme Baratino.
Valentino à l'instant sur Skyrock avec AM, la Scampia, notre invité tous les soirs de la semaine sur Skyrock. Bienvenue à toi, c'est un véritable plaisir de t'avoir cette semaine. Merci beaucoup, frère. Tu n'es pas venu seul, il y a Timal, il y a LP, ils sont là avec nous. Oui. Messieurs, il y aura du live avec vous aussi d'ici quelques minutes. Yes. On peut saluer celui qui est devenu résident ici, qui s'appelle Rock J. Je te vois souvent. Hein. Rock J, ouais, m'a enregistré. Est-ce qu'il m'a mis le micro Oui, on t'entend ton bien. Superbe réalisateur. Tu doutes de lui? Jamais. On entend. Voilà, je te remercie. Jamais. On entend ta douce voix, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là avec AM, on s'était rencontré Mais freestyle. Ouais, freestyle, et je vais te dire la vérité, la première fois où j'ai entendu parler de toi, c'était un morceau que tu avais fait avec Lacrim pour DJ Abdel. Il est jamais sorti, mais on était plusieurs sur mon morceau. Il tuait sa mère, le morceau. Exactement. Incroyable. Donc voilà, ça fait un moment qu'on se croise, et puis Timal, on se croise aussi régulièrement. À LP, il est sur mon premier projet que j'ai fait. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir, c'est que Rock J, à chaque fois qu'on l'a, il est toujours au pareil, autant passionné. Et s'il vient vraiment, c'est que. Il est toujours à l'affût des jeunes talents. En tout cas, tu sens une vraie affection, tu vois. Par exemple, quand il parle de toi, c'est pas un truc où il a répété avant. Putain, merde, tu vas voir, c'est l'empire et tout. Ouais, on sent que ça vient du cœur. Ouais, il soutient tout le monde. Vrai, Rock J. Ne bougez pas dans un instant, on va revenir sur Skyrock. On balancera un morceau qui s'appelle Basta. Il y aura donc du live avec vous aussi d'ici quelques minutes. Et puis, on continuera ce parcours. Avec la Scampia juste après ça, le retour. Planète rap. Tant pas mal à la tête, on arrête tout. Je fais plus d'efforts. De un, j'ai trop de blême. Y'a plus un sou, peut-être fin d'année, je suis plus dehors. Un dernier ciao dans le rétro. Carré à cheval sur le boulevard. Et même si tu me plais trop, je m'en bats les couilles que tu repartes. T'es pas mon Doraima, ma belle, tu pas ton Pietro. Tu sais que je suis matinal, cette tu m'appelant sans texto. Merci à la sorte, tu vois, pour oublier tes défauts. Même des fois je fais le faux pour pas te foirer, babe. Un jour je t'aime, un jour je m'en fous. Un jour je t'aime, un jour je m'en fous. Quand pas mal à la tête, on arrête tout. Je fais plus d'efforts. De un, j'ai trop de blême. Y'a plus un sou, peut-être fin d'année, je suis plus dehors. Un jour je t'aime, un jour je m'en fous. Un jour je t'aime. J'roule comme dans un générique. Pas ton fruit de mer à Capri. Passe ta Bianco devant Netflix. J'sais que t'es vaillante compatrie. Tu donnes, je donne, tu mérites. Si tu confies ce qu'on se dit entre nous, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Un jour je t'aime, un jour j'm'en fous. Un jour je t'aime, un jour j'm'en fous. Comme pas mal à la tête. C'est Skyrock, c'est Planète Rap avec notre invité AM, la Scampia, tous les soirs de la semaine. C'est ça, avec les frérots. Et avec nous aussi. Également ALP, il y a Timal et... Et il y a le frangin qui nous a rejoint. Bien sûr, dans la deuxième partie de l'émission, il vient d'arriver Monsieur Rimkus qui c'est est ça. Avec nous. Qui a sorti son album là très récemment. Exactement. Mais oui, comment ça va Rimkus? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, tout doux. Bien. Ouais. Et un petit mot sur AM?
Ah, même, même c'est les Kipel. C'est le frangin, là on se connaît depuis et on est venu soutenir. Hein, ouais, réel et sincère. C'est la sincérité sur cette table. Avec ça le cœur, de ouf. Et tu le rappelais, évidemment, Boîte Noire qui est sorti là au mois de mars dernier. C'est ça. Album de c'est Rinkus. Un très beau projet, à démontrer. Très beau projet à aller récupérer. Cet merci. Album, on rappelle que Tima, lui, il nous a bien balancé sûr. La 15 là comme ça. Ouais. Qui fait bien plaisir. Ouais, comme tu peux j'ai raté ça. Elle n'a pas lancé le truc ça. De Filtrao aussi. C'est fou, toi. Il a envoyé la vague avant ça. Ah, direct. C'est bien, machin. Et ALP aussi qui est sorti, c'est quand au mois de février, t'avais sorti. J'ai sorti mon projet déjà, moi, l'année dernière déjà. Mm-hmm. Hein. Réfé, je l'ai sorti en 2020. J'ai sorti le clip avec Freeze cette année. J'ai sorti Débordé. Là, Débordé, voilà. Y a, et là, c'est pas sorti encore en plus. Ouais, là, il y a une surprise qui sort mercredi. Un très grand morceau avec Guy. Avec Guy de Besbar mercredi, je l'annonce là. C'est beau. Donc, dès cette semaine. La famille, c'est la famille. Tu sais déjà. Tu sais bien. Guy de Besbar, d'ailleurs, qui est présent aussi sur ton c'est projet. C'est ça, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Avec et on l'embrasse fort, fort, fort. Le Planète Rap entre 20 et 21, on en était sur le parcours, ton parcours à toi, on en était à la musique. Yes. Les albums qui t'ont marqué, tu vois, on parlait des psychiatres, mais aussi de l'école du micro d'argent. Bizarrement, ouais. J'ai l'impression que des Marseillais, mais bon. Il n'y a pas que les Marseillais, frérot. Salif, sais, ça m'a marqué aussi. Salif aussi. Salif, ça m'a marqué de ouf. Tu vois. Après, comme tout le monde, on a écouté la génération Rof Booba, 113, Mafia Kinfri. Et c'est tout ça qui nous a éduqués. Tu vois, au niveau de l'écriture. Et pour toi, ça a commencé tôt aussi, la musique. 12 ans, 15 ans? 13 ans, 14 ans. Bon, allez, au milieu, ouais. À 12. Écrire, ouais. J'ai commencé à faire les guinguettes à Marseille, qui sont des fêtes de quartier. Ça, c'est les fêtes de quartier. Ça revient souvent, d'ailleurs. Ouais. Et maintenant, il y en a moins. Maintenant, il y en a moins, mais avant, il y en avait beaucoup. Il y avait la fête du panier, la fête de la viste, Fonte Obscure, à Aubagne. On faisait toutes les scènes, tu vois, la génération SCH, Jules, Naps, tout ça. Vous Ghetto êtes passé Phénomène, par les guinguettes. Ghetto Phénomène, on se croisait tous sur les guinguettes. On se partageait les face A parce que c'était rare à l'époque. Mmh. Tu vois, on se partageait tout ça. Et là, quand on s'est revu sur Très Organisé, on avait ce souvenir-là. Tu vois, de se dire, tu as fait cette scène et tout, moi aussi je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on apprend personne. D'ailleurs? Qu'est-ce qu'on apprend pendant les guinguettes pour soulever? On apprend. Parce que c'est assez marrant aussi les fêtes de quartier là-bas à Marseille. Il faut dire que c'est pas que du rap pendant quelques heures. Il y a plein de musiques aussi parfois différentes. Il y avait des danseurs, tu fous. Il y avait des danseurs, il y avait les Komoko, tu fous. Ils prenaient la scène. Marseille, frérot, tu blagues. C'est normal ça, frérot. Direct, ça partageait la scène. Ça dansait le coup de rose. Ça faisait un rayage. En fait, voilà, les fêtes, ça mélange plein. C'était les grillades, mais il y avait des darons dehors, les enfants, c'était de la folie. C'est vraiment des bons moments. Moi, j'ai allé avec mon scooter, tu vois, j'allais dans des quartiers que je connaissais pas. J'avais mon scooter, je disais au guetteur, frérot, tu vois, moi, je suis comme toi, garde-moi mon scooter, je vais chanter 15 minutes, je reviens. Et le bouge pas, le scooter, vas-y, t'inquiète. À chaque fois, je repartais avec le scooter. Terrible. Voilà. De partout, on faisait le tour des quartiers comme ça, ça tuait. C'était le bon moment. Et donc, pour toi, premier clip aussi à 15 ans, je disais 15 ans, voilà, ça a été le premier clip que t'as balancé? Ouais, on avait fait un clip avec 50 euros, on s'était régalé, hein, tout le quartier. Ça me l'a ressorti, là, il y a pas longtemps, c'est ma frangine qui me l'a ressorti. Le clip? Rien à voir, elle avait sur une carte SD dans un téléphone, j'entends d'un coup. Mais il est pas disponible sinon, le clip? Et non, je vais le mettre à souvenir dans une vidéo, quoi. Et alors, AM Lascampia, ça vient d'où ce nom? C'est à quel moment que t'adoptes ce nom, ce blaze? Moi, tu as vu, je suis parti en Italie, je suis parti jeune en Italie, c'est à côté de chez nous. Là, j'ai commencé par le Nord, mais après, je suis parti principalement au Vatican, Pise, Rome, plein de gens de Marseille. Mais de toi-même, tu dis à un moment, je suis parti avec des potes. Avec des potes? Je suis parti avec des potes une fois que j'ai arrêté l'école, quand j'ai arrêté 6 mois avant le bac. Vatican, Pise, Rome, j'ai découvert Naples, similaire à Marseille, années 90. C'est vraiment, ouais. C'est Marseille des années 90. C'est l'humanité, il y a toutes les origines, il y a tout qui se mélange, c'est la culture du manger, tu vois, ça tue. J'ai découvert Naples, après je suis remonté en France, j'ai fait la Toscane, j'ai fait un peu tout ça. Je suis monté sur le Nord, Marseille, je suis revenu et c'est Lascampia, en fait, c'est les potos qui m'ont surnommé comme ça, force faire les allers-retours. Lascampia. On m'appelait Lascamp, ouais. On m'appelait Lascamp. Et le AM? AM, c'est Amine. C'est mon second prénom. Donc c'est devenu AM Lascampia. Ouais. Et aussi tes préférences, je l'ai pas dit, mais pour si vous invitez un jour à dîner à la maison AM Lascampia, faut lui faire des gnocchi à la Sorrentina. Ouais, elles sont bonnes. Là, on a fait une petite soirée, du fou, ça a fait les gnocchi à la Sorrentina et tout. Sur ça, Paris, c'est magnifique, régalé. Les gnocchi Sorrentina avec. Tu les as goûté, cela? Mais bien sûr, je vois très bien avec basilic dessus. Tu es parti en Naples, toi, déjà? Et toute l'Italie, mon pote. Et ouais. Mon grand-père était italien. On m'a dit que tu es parti en Naples. Bien sûr.
c'est ça. Magnifique, magnifique l'Italie. C'est bien. Et c'est vrai qu'on bouffe bien. Tu as raison de le préciser. Mais c'est similaire à Marseille ou pas un peu? Tu l'as ressenti? Bah bien sûr, attends. Et puis il y a toutes ces petites ruelles aussi un peu. Pour ça roule sans car. Voilà, ça se garde n'importe où. Ça se met dans. Mais c'est ça qui tue, moi je kiffe ça. C'est vrai qu'il y a une vraie similitude avec Marseille en tout cas. Ouais. Le Planète Rap entre 20h et 21h, tiens, on va écouter 5 morceaux. Je veux que tu me dises à chaque fois à quoi ça te fait. Premier truc qui te vient en esprit quand je te fais écouter ces 5 morceaux. Le premier, on va commencer direction l'année 2016. Novembre 2016. Kalenji. Avec un clip qui a été fait par Diego, le frangin de Soprano. C'est ça. Elle me l'avait fait cadeau et tout, c'est un tueur, voilà. C'est un bon, je l'embrasse fort. Donc toi, tu penses à quoi quand t'écoutes les premières notes de Kalenji? Quand je pense à ça, je pense que il y avait tout le quartier réuni, c'était les bons moments. Il y avait tout le monde qui était dehors. Et c'est que des bons souvenirs. À la suite de ça, le clip il a été supprimé, ainsi qu'un autre morceau. Et ouais, j'avais fait une petite bêtise, j'avais utilisé le bloc qu'il fallait pas. Ouais. Et le maire il était pas content. Du coup, il a fait appel au préfet, il a fait appel à ah oui, tout ça, les journaux pour rien, voilà. Et le clip il s'est retrouvé supprimé. Je sais pas, il s'est retrouvé supprimé et tout le monde me le demandait. Et il tuait ce morceau et pourtant on disait rien de fou dedans. Mais le maire de Marseille. Non, le maire de Gigi. Le maire de Gignac? Je dis même pas son nom. Non, faut pas lui dire non. Il est encore en place? Ouais, ou... Il mérite même pas. Il est encore en place ou c'est un autre? Ouais, il est toujours en place, Solide. On a essayé de faire des trucs avec la ville pour les jeunes et tout, et on a jamais été reçu, c'est pas grave. Qu'est-ce qui branle en ce moment dans le sud, hein? Ils sont un peu. Mais c'est le sud, c'est le soleil, c'est Pierre Michelon. Donc, ouais, en fait, peut-être qu'ils en branlent pas une, ouais, peut-être. Voilà. T'as raison. Allez, un deuxième morceau. 2017. Ça c'est ici. Ça c'est notre rencontre. Ici. Ça c'est notre première rencontre. Pizza kebab remix. Ouais. Ça c'était dans tous les sens. Donc ça c'était pour le Planète Rap de la Crime, ouais, on en a parlé pour Forcer Honneur. C'est ça. Pareil souvenir que t'as de ce moment ou de ce morceau. Premier Planète Rap, me retrouver là-bas dans le couloir avec la Crime, on parlait, on discutait, il me donnait des petits conseils. Il m'avait dit ce jour-là, il m'a dit un jour tu auras ton propre Planète Rap, et on en parlait cette semaine encore. Cette semaine, un matin, il m'appelle et tout, on parlait de ça. Il m'a dit, t'as vu, je t'ai dit, tu allais avoir ton Planète Rap. Je voulais l'inviter, il peut pas être là. Et du coup, gros souvenir. Bon. C'était le pied à l'étrier. Allez, 2017, il y aura aussi ce morceau en juillet 2017. Oh maman, maman. Classique. Histoire 2. Méchant de ouf, voilà. Un empire à bâtir, une réputation à tenir. Mais ça, pareil, c'est l'histoire avec la Crime qui se prolonge, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il me fait l'honneur de mettre le morceau, de mettre un solo dans son album. Un solo dans son album, ouais. Ouais, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Ah non? Je vais pas te mentir, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et c'est un morceau que le public a super bien reçu et on m'en parle toujours. Quand on me croise et tout le monde m'en parle. Il y a une sincérité dans ce morceau, il y a une authenticité. Voilà, j'ai capté l'instant. T'as fait aussi la tournée avec la Crime aussi, les premières. On avait parties. Fait la tournée Zé, il y avait c'était Alpha chaud, aussi, il y avait Guy. Aussi, il était là, on était là, voilà. Il y avait Guy aussi. On avait passé des super moments, c'était bien. C'était bien, ça nous a permis de connaître la scène. On a pu travailler avec des Réa et tout, qui nous ont expliqué bien la scène, comment se déplacer et tout, et ça tue. Tu vois, c'est pas une chance que tout le monde a. C'est vrai. Allez, autre morceau, année 2018. 28 juin 2018. Un frère est tombé hier. C'est Maradona, frérot. T'as dit, c'est Maradona. Diego. Ça, c'est un morceau qui a marqué les gens, on peut le dire. C'est un des gros morceaux. Je crois qu'il y a plus de 30 millions de vues. Mais c'est. Ouais. Toi, tu le vis comment ce morceau? Parce que c'est vrai que c'est un des plus gros cartons aussi. Ouais, c'était le plus gros carton. Moi, j'avais le souvenir que ça m'évoque. C'est 3 jours après que je fais. Que le morceau il sort. Et je vois une vidéo sur le Snap à la Crime. Il est à Tanger et le public chante mon couplet. Je pète ma tête, frère. Le morceau est sorti, ça fait 3 jours, ils connaissent le couplet par cœur. Et ouais, gros souvenir ce morceau. Et ça m'a permis de faire une petite tournée derrière aussi. Et ça tue. Et on restera enfin avec un dernier morceau en 2018, avec celui-ci. Je veux pas quitter la cité. Je veux pas quitter la cité. La cité. Avec El Grande des Toto. Pour quitter la cité. Grosse dédicace à Toto. Grosse star marocaine. À tout le Maroc. Même si je suis né comme Pablo, je veux pas quitter la cité. Et alors, si j'ai choisi ce morceau, si on a choisi ce morceau avec l'équipe de Planète Rap, c'est parce que c'est en 2018 et on s'était dit que voilà, il y avait eu Maradona, la cité, que ça aurait pu être un prolongement, qu'un album allait sortir rapidement et non finalement. Ouais. Hein. Ben non, non. Après ça, non.
Bah écoute, la vie me rattrape un peu. Donc ouais, donc obligé c'est de prendre les responsabilités. Au niveau personnel, voilà. Voilà, obligé de prendre ses responsabilités à cœur. Et derrière, il y a aussi le fait que je te disais en début d'émission, d'être minutieux. Et c'est peut-être pas une chose qui est bonne, parce que tu vois, en ayant travaillé après avec des personnes comme Lacrim ou Bélec, ils m'ont appris la simplicité de faire, de capter l'instant et de pas trop se casser la tête en fait. Si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes qui démarrent, c'est capte l'instant, ne prends pas la tête, amuse-toi. Mais moi j'étais super minutieux, donc j'ai perdu du temps aussi. Tu vois, à cause de ça. Après, j'allais dire, c'est vrai que c'était minutieux et qu'on retrouve, il y en a un autre qui est minutieux aussi, on attend l'album depuis maintenant des décennies, j'ai envie de dire, c'est Laura Luciano. Cité Carter, donc ce morceau, ça a dû être compliqué à faire vous deux, non? Bah non, alors. Avant, ça a été? C'est quoi? Parce que je me dis merde, si tous les deux vous êtes comme ça? Ouais, ça fait super rapidement. En fait, Luch, je le vois sur très organisé, on discute, tu vois, direct, il me dit, tu vois, je te ressens. Tu vois, Luch, c'est quelqu'un qui ressent les gens. Après, il n'aime pas trop qu'on parle de lui, donc je vais faire bref. Un de ces quatre, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, tu as vu, j'ai un morceau, j'ai pensé à toi, tiens. J'ai écouté, j'ai pété ma tête. Dans la prod, c'est lui qui a fait la prod. Dans la prod, il y a 7 prods quand on sort les pistes. Un truc de ouf. Après, on a tourné un peu la prod et ça a donné Cité Carter. Bon, ça a été un peu long ce parcours, mais ça y est. Cadeau de fou de Luch, merci beaucoup. Premier album, et vous retrouvez d'ailleurs ce morceau Cité Carter avec Laura Luciano et plein d'autres aussi. C'est l'album Triste Fête d'Aim Lascampia qui est dispo depuis vendredi. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de live maintenant, messieurs? C'est parti. Oui. Roger, frangin. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Fait quoi, les jolies poupées? Allez. Timal? Let's go. ALP, Rimkus, c'est à vous. Toujours. C'est la Scampia, tu m'as. Yes. Faut Panama, Marseille. T'es ma jolie poupée. J'aime trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement, tu es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV. Hey. Ma jolie poupée. J'aime trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement, tu es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV. Hey. J'ai caché le pétard, mon lossage, m'en vais sur Paris. Tant que j'en ai rien à péter, tant que j'ai pas compté l'Oiri. Et les chiens, les bons fils, on nous dispo. Et démarrer, et les Schmitt qui contrôlent à tout Valenciennes, ça fait Paris. Glock 9, j'ai char, j'en pompe, jamais j'm'arrête. S'il y a de l'or dedans pendant des heures, on tire la charrette. Trop de kills, de bœuf, c'est la frappe et mon barrette. Il répond plus au tel, il fait le mort, il m'en bavé. J'suis armé comme Nicky Larson, car le meilleur ami de l'homme, bah c'est les Larzins. T'as une touche à mon vieux, mais nous au parfum. C'est malsain, j't'allume ta mère comme dans le parrain. T'es ma jolie poupée. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement, tu es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le fond, t'as pas le CV. Hey. Ah, ma jolie poupée. Ah. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement, t'es trop belle et douée. Ah. Comme le bosseur dans le fond, t'as pas le CV. J'suis des peu, j'fais le doublé comme Noévé en réa. J'mets pas coup d'embrayage, j'suis en boîte auto péage. Moi c'est lié à coup de casque, le Rolex en demande. Ça vous dirait une glace avec mon ami, viens te casser. J'suis mort, plus foncé, le bat m'appelle, t'es pas assez fort. J'la récup aux alentours des quartiers nord. Elle aime trop mettre ses talons sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, t'es ma jolie poupée. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement tu es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV. Jolie poupée, ah. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement t'es trop belle et douée, ah. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV, hey. Chérie mon amour, j'ai toujours la guine, toujours à la bourre. Faut que je prenne à fumer. Chérie mon amour, j'ai toujours la guine, toujours à la bourre. Faut que je prenne à fumer. Chérie mon amour, j'ai toujours la guine, toujours à la bourre. Faut que je prenne à fumer. Chérie mon amour, j'ai toujours la guine, toujours à la bourre. T'es ma jolie poupée. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement t'es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le fond, y'a pas de CV, hey. Ah ma jolie poupée, ah. T'aimes trop nous faire des histoires comme à la télé. Malheureusement t'es trop belle et douée, ah. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV, ah. Merci bien la famille. C'est T.A. Merci bien la famille, ça m'a fait plaisir pour ce morceau. Jolie poupée partout. Bah. Django Lascampia. C'est l'exclu. Reviennent, tout seul calibré comme Django. J'attends que je donne plus de nouvelles. J'entends ce que tu dis, c'est pas beau. Petit dehors, la vie c'est rude. Faut pas trop leur dire désolé. Oh, aïe.
La puce, je n'ai le peu qu'on a en donne. Faut couper les ponts si t'abuses. Puis j'ai lancé la porte à côté. L'avocat il a mixé des sommes. Eh hey, oh, arrête de jurer sur la vie de ta mère. Et c'est garanti, tu fais marche arrière. Sur du REM ou du Bob Marley. Ça se barre à la gratte, arrondi le salaire. J'passe à la porte de Bagnolet. J'enroule un gros, j'prends un Diabolo. J'tombe sur l'équipe à golf bizarre. Un Marseillais solo. Bah, bah. J'attends plus les soucis reviennent. Tout seul calibré comme Django. J'attends que je donne plus de nouvelles. J'entends ce que tu dis, c'est pas beau. Petit dehors, la vie c'est rude. Faut pas trop leur dire désolé. Hey. Oh ah, hey. Oh ah, oh ah. Dans le secteur, ça pue l'herbe et les schmitts. Oh ah, oh ah. Très pressé, à deux minutes près c'était chaud. Rares sont les vrais qui vont rester. Après minuit pile j'me déco. Il fallait rien dire à ta gadi. Et toi tu lui confies tes secrets. J'ai cinglé. Quand tu mets devant la télé, j'regarde Top Gear, j'zappe sur un thé. J'suis toujours pas le chef du réseau. À la base mes canaux comme Daniele. Ma vie d'un meilleur baisseau. C'est les nerfs qui portent, j'vais les compresser. J'sous la pluie, j'coupe le collant. La guignée m'ont pété. Bon. J'attends plus les soucis reviennent. Tout seul calibré comme Django. J'attends que je donne plus de nouvelles. J'entends ce que tu dis, c'est pas beau. Petit dehors, la vie c'est rude. Faut pas trop leur dire désolé. Hey. Oh ah, hey. Oh ah, oh ah. Marseille. Dans le secteur, ça pue l'air. C'est le point de vue, le moment. Grosse force, le 13 UCR. Gros bisous, mon frère. C'est la scampi, hein. Triste fête, c'est sorti la mif. Hey, hey. Triste fête, dispo. Alpha, Alpha. Il me faut un homme demain comme Franck Delphine. En fait, faux, l'os. Héberge. Pense que je suis pas ce que je suis, je le vis. Quand je n'aime pas, je n'aime pas, je le dis. Je file à l'anglaise comme quand je vole à B2. Demande à chaf sur un jackpot, je te le vis. T'es grave con, je vais réaliser l'utopie. T'es qu'à trois tafs, tu vois déjà les télétopies. Je suis à U, j'ai les veines et la vessie plein de mordis. Ok, je me vois bien à la baraque, regarde dans la télé. Pile sur la bleuta, pas les couilles de tes histoires de m'appeler. Souvenirs enchaînés, le cerveau est scellé. Simple mouvement, y'a que les serpents qui ressortent. Y'avait zéro rugbyman dans la mêlée. Elle veut faire trampoline, mais c'est pas de mon ressort. Semblant d'être dans des ordres pour reprendre le trésor. J'entre à 5h, elle jouera à 13h. Libé à écortier, chameau. Libé à yo-yo épée. Cette année, je leur mets du talent. Je me rappelle qui m'a aidé. Elle est en couple, mais elle dit pas non. Autant de printemps, il vient été. Elle est en couple, mais elle dit pas non. Elle veut que je sois son médicament. Tu veux quoi que je te le dise en flamand? Je peux pas te présenter à ma maman, c'est pour la épée. Je suis gardien de mon frérot comme Neuer. Toi, t'es le gardien de ton frérot comme Apoula et Dell. Je te demande encore si je suis le meilleur. Ramène ton rappeur préféré, ce gars-là est Dell. 9 ans plus 9, 487 raisons de pouvoir tenir compte. Efficace les invocations de la daronne à Valbuena. Pour essayer d'évincer Benzema. Je connais bien la fin, j'ai gratté le scénar. Je rappelais, tu croyais encore John Cena. Remets les glaçons que tu veux, mon sorcier, je vais la boire au goulot. MJTO, je lui dis que je suis au boulot. MJTO, je lui dis que je suis au boulot. Ça peut traquer ta chop, Roland Gamos. Mais c'est pas le même que celui de Mehdi Maizy. Ils veulent tous faire genre, ils me connaissent d'avant. Comme si j'avais joué en paix avec Mickey. Comme si on avait été à Clickly. Comme si on s'était checké devant Schumann. Elle est trop susceptible, prend tout mince. Elle a moindre carte à Divon Koumas. J'ai foutu ma tronche dans la masse. Les calages c'est pas qu'à la télé, il me faut pas une pétasse comme Michaela. Il me faut un homme demain comme Franck Delphine. Il me faut un homme demain comme Franck Delphine. Je te sers pas la main, on va passer à l'écoute. Ils ont de la chance que tu existes. Petit, je comprenais pas par les coups. En alpha comme un mec de Chicago. Je sais forcé, tu vas dormir chez Tago. Bonne idée, mais je crois qu'ils ont capté les favos. Je connais des 10 de platine de bravoire. 19ème, les gavas du bois va, c'est pas vous. 19ème, les gavas du bois va, c'est pas vous. 19ème, les gavas du bois va, c'est pas vous. Belka, Chabani, Colo.
C'est pour de vrai, Christophe. L'argent fait pas l'homme, me faut en faire c'est connu. Ok. Se lever pour le SMIC, c'est insultant, c'est comique. Ok. J'suis dans le fer dans l'auto comme les bleus potos, j'détourne dans toute la commune. 9-4. Je les entends me souhaiter du mal et même le diable il dirait pas un mine. C'est nous chacun son domaine, tu serais choqué de la liste de ce qu'on a commis. C'est pas nous qui font du bruit devant les gommis. Tommy Tommy dont le baveux est commis. Promis promis c'est le goudron promis. Peu du cambrio qui finit en séquence, j'connais la cause. Qu'il est haché sa ronda ou pas, j'm'en fous, j'donnais la dose. J'suis pas une assistante sociale, bâtard, ça c'est la base. On lâche dans le bif, moi fils de putain, je bois la tasse. Une carotte qui passe, on la remet. Viens pas me parler si t'es chromé. Paris tarif, ça remonte. Aller-retour comme le tromé. Tu sais, c'est comment faire. Pas les pieds. J'suis des endroits où même les pieds sont calibrés. Rien plus qui tire le premier vent. C'est ça l'idée. On va la reculer. Juste au hack, a nul besoin de qualité. Dis-moi qui va jouer les forts. Rien plus. Ceux qui veulent briller, on l'éteint, gros. Arme de guerre, j'suis sûr de moi. Tu veux peser, faut faire le poids, gros. On se propage comme MST, comme bonne postu. C'est pas bien à la passe, j'aime pas le jostu. J'fais du rap, c'est un passe-temps, j'ai que le costume. J'fais faire bosser la pasta. En vrai, j'suis un gros comme un star. Donc SPLR comme un master. 1h27 comme pasteur. J'peux pas rapper pour les types, j'suis pas pasteur. On veut le coffre et la caisse, le coach est là, en cause, on prend ta tête. J'ai des refresh qu'à la corse, j'crois que tu l'as pour pioncer, on voit la course. Le dernier, j'finis la course, promis, promis, j'ai trop mué. Ils voulaient me mettre dans la sauce, j'ai remué, remué, ils ont tout sué. J'attrape la chance à la gorge, j'suis poigné, j'ai la caution de la Porsche. On aime taper chez les bourges, dans la bouche, un baillon, j'te fais les poches. On aime taper chez la gorge, j'ai la gorge, j'ai la caution de la Porsche. Un peu des Z sur le torse. Augmenter combien par la force. Tu ne mets pas les pieds. J'suis des endroits où même les petits sont calibrés. Sont calibrés. Qui tire le premier. C'est ça l'idée. Rien on visait juste au hack. A nul besoin de qualité. Dis-moi qui va jouer les forts. Hey, hey. Ceux qui veulent briller on l'éteint. Arme de guerre j'suis sûr de moi. Tu veux peser faut faire le poids. Christophe, tu veux le quadro, Marseille, on est ensemble. C'était la sincérité à la table. C'était voilà. La session live à la table. Et en effet la sincérité comme tu le dis ouais. AM Lascampia avec Rimkus, avec Timal, avec ouais, ALP ouais. Qui était là avec nous ce soir. Fort. Grosse session live. Avant de se quitter on va finir avec quelques petites questions pour toi dans un instant. Et là juste avant on balance un morceau. Vas-y c'est parti. Allez un petit coup de Salmoud. AM Lascampia dans la voiture, sous la douche. Misère moins pénible au soleil. J'suis face au check comme Don Pietro. J'repense à mon rêve en plein sommeil. Là-haut au ciel, hey. Tes ennemis c'est les nôtres. La petite finie, on sort le fer. J'te connais, fais pas timide, nique la force. À Maserani, à quoi se perdre. Y'a pas que les sirènes. Laissez-moi dans mon sale mot. Change de barrio, j'suis pété. Des fois j'suis fatigué. J'sais pas, j'suis fatigué. Change de barrio, j'suis pété. Laissez-moi dans mon sale mot. Toujours quelque chose à péter. Des fois j'suis
fatigué, je sais pas, je suis fatigué, hey. Ils sont tous à l'abri, tu as fini sur le deck. Tu te dis là c'est puissant. Y'a plus un billet marron dans le surfait. Et te regarde bizarre, tu le sens. Spédo, Jack, Daniel. Où c'est vite à fond, c'est ça la vie. Ils tiennent pas la porte, faut la plier. Quand tu mets les nerfs avec analyse. Nous c'est des gars de la rue, elle pas très fait. La nuit les Beverly dans les deux rétro. Ça fait des soucis à la perfée. Avec toi dans le pire aussi, my bro. J'suis en Carenji, on se donne entièrement. Bouge dans l'auto. Roule au ralenti, y'a les nationaux, hey. Laissez-moi dans mon sale mot. Change de barrière, j'suis pété. Des fois j'suis fatigué. J'sais pas, j'suis fatigué. Change de barrière, j'suis pété. Laissez-moi dans mon sale mot. Toujours quelque chose à fêter. Des fois j'suis fatigué. J'sais pas, j'suis fatigué. Change de barrière, j'suis pété. Laissez-moi dans mon sale mot. Toujours quelque chose à fêter. Des fois j'suis fatigué. J'sais pas, j'suis fatigué. J'suis biaisé, j'suis la scampion. J'suis biaisé, j'suis la scampion. On est pressé, on sert à payer. Et la famille, c'est la famille, et la famille, c'est la famille, et la famille, c'est la famille. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec AM, la Scampia avec nous tous les soirs de la semaine. Triste fête est sortie, vous retrouverez ce morceau à l'instant qui s'appelle Salmoud. Rimkus, est-ce que tu as des préférés de toi dans l'album? Est-ce que tu as eu le temps d'écouter? Bien sûr. Ah. Bien sûr. Moi j'aime beaucoup le morceau avec, je lui avais dit déjà, mais le morceau avec Hachik, je trouve que c'est une dinguerie. Ouais, le Familia. Wallah, je trouve que c'est une dinguerie celui-là, il me rend ouf. Depuis qu'il est sorti, il me rend ouf encore. Tiens, tu vois. Sinon, l'ensemble du projet, de toute façon, c'est du AM pur. Tu as eu ta, tu as eu ta box? Pas encore, pas encore. Je vais l'envoyer à tout le monde. Si mal, je vais l'envoyer à tout le monde. Il faut donner les adresses. Je suis le chanceux. Donner les bonnes adresses à Soumsoum. C'est vraiment le chanceux. Je vous rappelle que la scamp.store. On va les faire poser partout, je t'arrête de partout. Il en reste quelques-unes avec le t-shirt qui va bien à l'intérieur, avec l'album évidemment, c'est quand même le plus important. Et on va finir avec quelques petites questions pour toi. Allez, c'est parti. Planète Rap, pose ta question. Une question de Adam de Paris. Adam, c'est parti. Est-ce que dans l'album il y a des sons plus, plus calmes, tout ça, ou plus drill, en mode d'autres styles de musique que été? Drill. Drill, non. Je vais drill, retrouver de la trappe, un peu de la trappe italienne. Je vais retrouver de la mélancolie aussi sur certains morceaux. Bien sûr. Mais de la drill, non. Tu vois, moi, je suis pas trop drill. T'es pas un driller. Ouais, je suis pas trop drill. T'es pas trop driller. Tu vois, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Voilà. C'est pas le style de musique sur lequel t'as envie d'aller spontanément. C'est j'écoute de la drill, mais j'en fais pas. T'en fais pas. J'en fais pas. Tu vois, quand il y a des prods drill et tout, je zappe direct. Eh bien, t'as raison. Il y a des trucs comme ça. Hein. Ouais, ça arrive. Hein. T'as raison, c'est les goûts de chacun. Ouais, voilà. Moi, si j'arrive pas à faire un truc bien, frérot, je le fais pas. Exactement. Pareil. Voilà, je préfère aller au bout des choses. Voilà. Une question de Diego du 7-8. Diego. Ouais, salut AM. C'était pour te demander si tu comptais faire un feat avec un mec de l'étranger, bah, tu choisirais qui? Alors, la vérité d'un idéal, Rosalia, frérot. Rosalia, Bocli. Il a dit un mec, mais ça peut être une nana, tu as raison. Ça serait Michto. Non, voilà. Non, sinon, c'est même pas forcément un rappeur, tu vois. C'est Charlie Charles, c'est un producteur italien qui a beaucoup réalisé pour Gali, pour Sfera, pour Mahmoud, pour plein d'artistes italiens. Et c'est une personne qui m'a redonné envie de faire de la musique. Pendant un laps de temps, j'ai plus fait de musique. Et quand j'ai écouté ses prods, c'était mon univers de ouf. Ah, il est trop fort. Ouais, de ouf. Non, il est trop fort. De ouf. Ben, c'est le remix de Pizza Kebab, c'est lui qui m'envoie la prod pour que je fasse le remix, tu vois, ça tue. Et c'est quelqu'un avec qui vraiment j'aimerais travailler. Pour moi, ça serait un feat. Et pour toi, ce serait un feat, ouais. Ah, c'est un feat. Même si lui est plutôt beatmaker, en effet. Ouais, mais avec tous les producteurs avec qui je travaille, ils le savent, c'est un feat qu'on fait. Tu captes? Allez, une dernière question, Gabriel du 7-8. Ça serait pour savoir si avec la crime, vous pourrez faire un album commun. Alors, un album en commun. Pour l'instant, frérot, la crime, il est concentré sur ses projets. Mmh. Et après, album en commun, je pense que j'attendrai plus un projet en commun avec Hugo. La vérité, ça tuerait. C'est ce qu'on attend. Ça tuerait, c'est ce qu'on attend. Ça
Ça arrive, de toute façon. Ils sont de fou, tu vois. Ils nous ont fait un teasing, frère. Voilà. Donc, à suivre. En attendant, il y a évidemment cet album. Allez récupérer Triste Fête. Merci à toi, AM. On va saluer ceux qui étaient avec nous. Merci à Rimkus. Merci à Merci à LP qui était avec nous. Merci à Timal aussi. Merci, normal, la famille, ça fait plaisir. Merci. Et AM, toi, par contre, t'es là tous les soirs de la semaine. Eh ouais, je suis là tous les soirs. Tu vas revenir entre 20 et 21 dès demain. À pas louper, merci à Rock J qui était là aussi avec nous. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, Rock J? C'est ton super réalisateur. Ah, parce que vous parlez tous les deux en fait. Vous faites enfin, une contre. Comme avec toi. Hein. Vous faites une. Que, il a une oreillette, frère. Mais je t'ai donné le meilleur. Là. Vous faites une contre-émission en fait. Dans... Vous faites une... Attends, un truc. Vous faites votre contre-émission en fait. Non, pendant... tranquille, tranquille. On prépare pour que tout soit carré. Bien sûr, comme d'hab. Merci à vous tous. En tout cas, rendez-vous demain à 20h21h. Merci à toi, M. Lascampia. Grosse bise à tous. Et allez récupérer le projet d'M. Lascampia qui est disponible. On va retrouver D-Fool. C'est reparti. Toute l'équipe de la Radio Libre en pleine forme de retour maintenant. Planète Rap. Planète Rap.